Coach Beauté pour apprendre un nouveau truc de pro. C'est le grand retour des années 80. Mais côté look, il faut veiller à maîtriser les couleurs vives. Voyons comment te faire un total look en restant crédible. Maquille ton teint comme à ton habitude, avec un fond de teint et si nécessaire, un correcteur pour camoufler les cernes et les petits boutons. Un voile léger de poudre fixera ton teint. Pour un maquillage audacieux et coloré, utilise des couleurs vives. Applique un fard à paupières turquoise sur la paupière mobile en évitant de trop charger le coin interne de l'œil. Avec ton pinceau, crée un halo très léger en soulignant le dessous de ton œil du coin externe en l'estompant petit à petit vers le coin interne. Ensuite, baisse tes paupières et applique ta couleur au doigt en remontant vers les tempes. Pour intensifier ton regard et faire ressortir ton œil, étale une bonne dose de mascara en plusieurs fois pour épaissir ta frange naturelle. C'est le fard à joues qui va être le plus spécifique. Choisis un joli rose. Tu vas l'appliquer de la pommette vers la tempe en masquant le creux de ta joue pour créer une démarcation nette typique des années 80. Sur tes lèvres, choisis un gloss corail transparent et lumineux. Reprenons ensemble les étapes importantes. Maquille ton teint comme à ton habitude. Applique ton fard turquoise sur la paupière mobile et tire-le vers les tempes. Insiste sur le mascara. Crée avec ton fard à joues une démarcation nette. Sur tes lèvres, dépose une touche de gloss corail. Avec ce look tout droit sorti des années 80, tu te fais plaisir avec un peu de couleur et tu mets du baume à ton cœur. À toi de jouer! Une exclue Fit TV.